vous voulez parler de... Non, je ne le fais jamais au ministère. Je vous prie de respecter mon collègue. Je ne le fais pas. Vous m'avez promis de faire pour... Ne faites pas de promesses, s'il vous plaît, cher. Vous m'avez pas beaucoup de respect, mais... On se connaît. Ok, respectez-vous. On se connaît. Respectez-vous, cher. Et je vous respecte également. Merci beaucoup. Voilà. Maintenant, je peux travailler avec mon collaborateur? Non, vous ne travaillerez pas avec vos collaborateurs parce que j'ai une instruction du ministre. Faites votre travail. Voilà. Comment vous allez? Bienvenue chez vous. Je vous demande... Ça va? Ça va? Ça va bien? Ça va bien. Venir ici, c'est fort. Tu sais ça très bien. Vous allez bien? Très bien, je vous remercie. Merci. Ok. Je vous remercie. Dérangez pas mon lieu de travail et vous me connaissez très bien. Ici, vous n'avez pas parole. Quand je viens au ministère, je vous respecte. Ici, je suis le seul patron. Et vous ne le faites pas, monsieur Zolo. C'est la dernière fois. Je vous interdis de lever le ton. C'est la dernière fois. Monsieur Zolo, appelez-moi la sécurité, vous le mettez dehors. C'est la dernière fois, vous avez compris. Et je vous prie, monsieur le sélectionneur, soit vous restez, soit ne me touchez pas comme ça, monsieur le sélectionneur. Je suis président. Pourquoi tu parles comme ça? Non. Je suis président, monsieur le sélectionneur. Je suis entraîneur ici. Alors, non. Vous êtes entraîneur parce que je vous ai nommé. Vous n'êtes pas entraîneur parce que quelqu'un d'autre vous a nommé. Vous avez fait beaucoup de manquements. Et je vous prie de rester dans cette réunion. Parce que si vous ne restez pas, je suis obligé d'interroger mon comité exécutif. Comme la loi me le demande. Donc je vous prie une fois de plus de rester ici. Où es-tu le deux mois que je suis ici? Où es-tu? Je suis le président. Je suis le président. Vous ne faites pas la politique au Cameroun. Il y a une seule personne qui fait la politique au Cameroun, c'est le président. Mais c'est moi qui décide à la fin. Non. Vous ne décidez pas. Parce que ce que vous faites, monsieur le sélectionneur, c'est moi qui l'assume. C'est moi le président de la fédération. Ce que vous faites, c'est moi qui l'assume. Ce n'est pas vous. Dans votre pays, je ne le fais pas. Et vous ne me parlez pas comme ça, monsieur le sélectionneur. N'oubliez pas, en tant que footballeur, vous ne pouvez jamais me parler. Donc maintenant, je suis le président. Vous ne me parlez pas comme ça. D'accord? Vous vous asseyez et on travaille. Arrêtez un peu ce bordel. Il est temps d'arrêter ce bordel. Mais c'est pas possible. Mais vous pensez que vous êtes dans quel pays, monsieur? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique, monsieur le sélectionneur? Alors, mais comment vous pouvez faire ça au Cameroun? Jamais entraîneur. Hein? J'ai été entraîneur. Pour 3 semaines. Oui, et j'ai été très très grand joueur. Très grand joueur. Beaucoup. Félicitations. Merci. Et si vous traversez, vous ne reviendrez plus. Directeur, convoquez mon comité exécutif.